Bonjour à tous. Invaincu en deux tentatives avec des succès à Argentan et Cordomet, le numéro 7, Leonardo Vici, s'annonce comme le cheval à battre de la course. Ce pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing l'a en effet fait avec la manière à chaque fois. Il semble encore posséder une belle marge de progression et devrait se plaire sur la grande piste. Sauf incident, il peut viser tout simplement le hat-trick. Je vais lui poser le numéro 10, Lost, qui a montré des moyens depuis ses débuts avec des accessites enregistrés à Chartres-Laval et sur la petite piste de Vincennes. Dernièrement, ce pensionnaire de Nicolas Lemétayer s'est montré fautif au départ, une course à vite oublier. Il sera ce mardi confié à David Thomin. Une réhabilitation de sa part est attendue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la quatrième.